au peuple, à tous et à toutes. Et je tiens à remercier tous ceux qui regardent la chaîne et qui n'ont pas négligé d'encourager le travail en s'abonnant, likant, partageant, commentant les vidéos. Et je tiens également à vous rappeler que vous qui faites cela, c'est l'une des meilleures façons pour encourager, pour agrandir notre communauté. Et je vous remercie avec sincérité. Et je tiens en passant à rappeler à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner, liker, commenter, partager pour me soutenir dans le travail que je fais. Car le travail demande du temps, il faut faire des recherches pour faire l'exposition. Et nous faisons tout cela gratuitement en vue de propager les vérités encore cachées qui peuvent nous délivrer de l'aliénation culturelle. Et il est fait évident, pour changer le cours de l'histoire, il faut connaître l'histoire, mes amis. Et nous constatons que nul ne peut être développé dans l'aliénation. Et c'est pourquoi le premier combat, à mon sens, a mené en est celui de la décolonisation mentale. Et c'est pour cette raison qu'il faut encourager les travaux de l'esprit. Et avant d'entrer en matière, citer cette citation de Carter Godwin Woodson pour faire le point sur le travail. Et Carter Godwin Woodson, historien panafricaniste, afro-américain qui constatait les ravages de l'aliénation culturelle, fait cette déclaration pleine de sens. Il dit, si vous contrôlez la pensée d'un individu, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ses actions. Et lorsque vous déterminez la façon de penser d'un individu, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce qu'il fera. Vous parvenez à lui donner un complexe d'infériorité. Vous n'aurez pas à le forcer à accepter une position inférieure car il recherchera cette position pour lui-même. Quelle parole pleine de sens. Donc, je cite cette parole pour faire le point. Beaucoup de mes frères noirs aiment le mouvement panafricaniste, mais ils ont du mal à laisser les religions dites révélées. Ils ont plutôt joué à l'hypocrite parce que la crainte de l'enfer et l'espoir du paradis joue le premier rôle dans le cœur. Et c'est le plus grand défi qu'il y a à lever. Mais certains n'ont pas assez de courage pour l'effectuer. Et certaines personnes me disent, Jean-Gilles, j'aime le panafricanisme. Mais les doctrines du christianisme m'ensorcellent totalement. Je me sens incapable de me dépouiller de ces doctrines-là. Et en me disant cela, je constate que c'est le plus grand maillon de la chaîne de la colonisation, c'est le plus difficile à briser. Et si vraiment on détermine, comme le dit Woodson, la façon de penser d'un individu, on n'a pas besoin vraiment de s'inquiéter de ce qu'il fera. C'est vrai. Et c'est ce qu'on nous fait. On a contrôlé nos pensées. On a contrôlé la façon de penser de tous les nègres et c'est pourquoi ils sont ainsi aliénés. Mes amis, de jour en jour, je comprends mieux le chemin que parcourt Kalala Omutande. Et je comprends pourquoi il a mis tant d'importance dans le dévoilement du christianisme. Et pour ma part, c'est la maladie la plus chronique de la colonisation. C'est l'héritage mental la plus dure de l'esclavage. Et mes amis, il est un fait évident, malgré être chrétien, c'est être un malade mental, c'est être un aliéné, c'est être tout, mais malgré tout, on accepte tout pour l'être. Woodson a raison. On a contrôlé nos pensées. Certaines personnes qui se disent panafricains, il faut dire cela, dans leur hypocrisie, acceptent de critiquer les anciens philosophes grecs. Mais ils n'acceptent pas de critiquer les prophètes juifs. Certains se réjouissent lorsqu'on parle de l'origine nègre de la philosophie grecque, mais ils ont du mal à entendre parler de l'origine nègre du christianisme. Parce que le mal se réside de ce côté-là. Là où il est fait mal, en est le lieu de la maladie. Et ce n'est pas le malade qui doit dire où on doit les soigner. C'est au médecin de savoir où se trouve la maladie pour prescrire les doses. Et tout cela montre à clair que la principale maladie est le christianisme même. Donc, les médecins ou les penseurs panafricains modernes
doivent s'accentuer sur cette maladie. Ils doivent prescrire plus de médicaments pour l'éradiquer du malade totalement, c'est-à-dire du nègre colonisé, du nègre aliéné. Et en disant cela, je dois dire en passant, dans les écoles coloniales, il est vrai, on nous colonise. Mais on nous enseigne, pas erreur, mais en faisant de la philosophie, on nous enseigne quand même à réfléchir. Mais à l'église, on a torturé nos esprits sans la possibilité de réfléchir. Et je comprends pourquoi la révolution maçonnique des philosophes des Lumières était anti. Parce que l'église est la principale garante de l'ignorance. Et pour amener l'Europe au suffrage universel, il faut ôter les dogmes de l'église des esprits. Et c'était clair et c'est vrai. Et c'est ainsi les penseurs qui suivent chez Kanta Diop doivent faire plus de recherches pour démasquer l'église. Et c'est pourquoi l'égyptologie africaine doit être au service de la révolution panafricaine contemporaine. L'égyptologie africaine doit être saisie par les penseurs panafricains modernes, principalement pour déchristianiser les Noirs sur tous les points du globe. Et c'est un fait avéré. Et de jour en jour, je comprends que le plus grand obstacle qu'on peut trouver dans le processus de la libération des Noirs en est le christianisme même. Et franchement, mon fils qui était à santé a totalement raison de dire dans son livre Afrocentricité, théorie du changement social, qu'on ne peut être chrétien et être africain à la fois, et qu'on ne peut être musulman et être africain en même temps. Et ce qu'il dit est vrai. Mes amis, les Noirs doivent avoir sa propre spiritualité. C'est un fait avéré. Et la franc-maçonnerie étant notre société secrète, il faut le dire, n'ont pas honte de dire qu'ils puisent le mystère en Égypte. Cependant, le christianisme en puise les laits, mais ils ont nié cela pour garder la masse noire dans l'ignorance ainsi que la masse blanche. En effet, j'ai dit cela, célèbre, c'est une parole célèbre. Les Noirs seront délivrés lorsqu'ils cessent d'être chrétiens, musulmans, francs-maçons et autres. Les Noirs seront délivrés lorsqu'ils cessent d'être chrétiens, musulmans, francs-maçons et autres. Et je parle beaucoup, j'ai dit beaucoup, j'ai fait les points avant d'entrer en matière. Arrêtons là un peu. Et mes amis, aujourd'hui, nous allons parler des sujets brûlants et qui est extrêmement important. Asseyez-vous et regardez toute la vidéo. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour encourager le travail que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter de l'origine négro-égyptienne du fameux tétragramme prétendu révélé à Moïse, les terribles lettres ineffables YHWH. Et on dit 10 000 autres merveilles au sujet de ce tétragramme. On dit que ce nom est le nom de Dieu lui-même. Et on dit que seul le grand prêtre peut le prononcer en risquant de mourir s'il fait une erreur de la prononciation. Parce qu'il est question du célèbre Shem Amphoras, le nom ineffable. Mes frères noirs et mes frères blancs aliénés, mal endoctrinés, nous allons prouver qu'il s'agit d'une escroquerie théologique. Ce fameux nom est un nom égyptien donné à Dieu depuis des temps immémoriaux par les théosophes de l'Égypte ancienne. Et dit, c'est un nom égyptien, c'est dit qu'il s'agit d'un héritage nègre. Donc, aucun juif, aucun arabe, aucun européen ne peut rien nous enseigner de Dieu. Donc, ils ont pris les fruits de la théologie de nos ancêtres et ensuite, ils viennent nous enseigner cela sous une autre forme. Mes amis, quelle escroquerie intellectuelle, quelle supercherie. Mes amis, ce soi-disant nom qui ne peut être prononcé que par le grand prêtre se trouve dans la Bible hébraïque. Et ceci se trouve principalement dans les livres de l'Exode, si je ne m'abuse pas. Il se trouve dans l'Exode 3, verset 14. Le verset dit, « Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis.
Tu parleras ainsi au fils d'Israël, c'est lui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. En effet, jetons avant d'approfondir le sujet un coup d'œil sur ce que c'est ce tétragramme. Sur Google, sur le site encyclopédie Bouliki, nous lisons ceci et qui a trait à l'origine, à l'étymologie et à la signification et à la prononciation du fameux tétragramme qui aurait été révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Voici ce que nous lisons. Regardez à l'écran pour voir ce que j'ai lu pour vous. Et nous lisons, le tétragramme est la séquence des quatre courriers en grec, tétragrammaton, quatre et lettres. Juif qui compose son nom de Dieu, latin, théonyme, décrit dans Tanakh en juif, Yod, H, Wow, H, allié de gauche à droite dans le passé, il a été largement attesté, translittération Y, H, W, H à l'époque contemporaine, à la place la plus répandue est la translittération Y, H, W, H. Puisque la valeur consonne est phonétique, que la lettre J a su plusieurs langues romanes et en ce qui est anglais comme dans Jean correspond pas à Yod juif. De Torah et le reste de la Bible juive, à l'exception Esther contenu le mot hébreu. Se fondant sur les lettres hébraïques, sa prononciation en hébreu devait être proche de Yahvé. Et ceux qui suivent la tradition conservatrice juive ne parlent pas de à voix haute ou silencieusement ou mentalement, ni lui transcrit dans les formes ci-dessus éternel Jéhovah ou Yahvé Jéhovah. Pour interprétation étroite, il pense depuis les temps anciens, le tétragramme trop sacré à prononcer, la halakha, la loi juive, exige que le nom se prononce comme Adonai, et ce dernier est également considéré comme un nom sacré, à utiliser uniquement pendant la prière, prescrivant que de se référer à eux, nous devrions utiliser la forme interpersonnelle Hachem, le nom. Au lieu de cela, le mot est remplacé par d'autres noms divins, si vous souhaitez appeler ou se référer à Dieu d'Israël. Le nom peut dériver d'un verbe, ce qui signifie être, là, devenir ou même venir. À travers cette citation, ceux qui ne sont pas des théologiens selon la théologie chrétienne, ou juive ou musulmane, ont au moins une idée du tétragramme. Et je reviens dessus tout à l'heure. Et mes amis, on dit que les kabbalistes juifs avaient imaginé des noms imaginaires qui seraient des noms de Dieu découlant de ce nom. Presque toute la philosophie occulte de l'Occident se base sur ces mensonges, sur ces jeux d'enfants pour bien vous dire. Et c'est pour cela, je ne crois pas dans les rêveries des occultistes occidentaux, mes amis. En effet, Henri Corneille Agrippa, considéré comme le père de la philosophie occulte ou de la magie, écrit dans son fameux ouvrage titré « De la philosophie occulte ou de la magie » à la page 36 au second tome. Il dit, regardez à l'écran, « Les mécubales des Hébreux, fort entendus dans les matières divines, ont reçu 10 noms divins principaux, sorte de divinité ou membre de Dieu. Le premier de ces noms est Eye, le nom de l'essence divine. Le second nom est Yod ou Tétragrammaton. Le troisième nom a été appelé Tétragrammaton Elohim. Et il faut dire que ce concept Tétragrammaton est largement utilisé dans les écrits occultes occidentaux. On prétend invoquer les esprits avec ce nom. On prétend faire des merveilles inouïes avec ce nom. Là, on constatera plus devant que tout cela est le fruit de la théologie nègre. Donc, il faut dire que tout ce qui fait la force de l'Occident est nègre. Il est vrai, mais on l'ignore. Parce que ce nom est le résultat de la réflexion théologique, théosophique des anciens nègres de la civilisation égypto-nubienne, que l'on veuille ou non. Et c'est vrai. Et nous allons voir cela tout à l'heure. En effet, Eliphas Lévi, considéré comme l'un des plus grands théoriciens de la philosophie occulte, écrit lui-même dans son fameux traité, titré « Histoire de la magie »,
Regardez à l'écran, on verra la page du livre dont il est question. Voici ce qu'a dit Eliphas Lévi dans ce livre. Il dit, nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit dans notre dogme de la haute magie sur le tétragramme divin. Nous ajoutons seulement que les kabbalistes l'écrivent de quatre principales manières. J, H, V, H, qu'il ne se prononce pas, mais qu'il est plein, Yod, Yé, Vo, Yé. Et que nous prononçons Jéhovah. Ce qui est contraire à toute analogie, car le tétragramme ainsi défiguré se trouvait composé de six lettres. A, D, N, I, que nous prononçons Adonai, ce nom veut dire Seigneur. A, H, I, H, que nous prononçons Eye, ce nom signifie être. A, G, L, A, Agla, qui se prononce comme il s'écrit et qui renferme hiéroglyphiquement tous les mystères de la Kabbale. Certes, selon Eliphas Lévi, ce nom contient toute la Kabbale. Et on revient dessus tout à l'heure. Et regardez à l'esprit la définition que ces mages font de ce nom, parce que cela va être utile tout à l'heure. Et en effet, les théologiens catholiques et protestants gardent la tradition juive de ce nom. Les traducteurs de la Bible utilisent le mot éternel à la place de ce tétragramme. Et certains traducteurs parlent de Yahvé. Et les traducteurs du Nouveau Monde, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah, utilisent le mot Jéhovah à la place de ce tétragramme qui ne peut être prononcé que par le grand prêtre, le fameux nom ineffable. Donc, il faut dire que ce fameux nom qui faisait couler tant d'encre dans la littérature rabbinique, dans la littérature patristique et dans la littérature gnostique, est-il originaire de la Judée? C'est une question sensée. Est-il une invention juive? C'est une autre question sensée encore. Et l'histoire, il est clair, il faut l'accepter, l'histoire de la pensée atteste qu'il n'en est pas le cas, car ce fameux nom existait depuis des temps immémoriaux en Égypte. Ce nom est le fruit de la pensée théosophique nègre égypto-libyenne. Donc, pour trancher ce débat, consultons l'avis de l'un des plus grands égyptologues de l'école égyptologique africaine, Kalala Omutande. En effet, Kalala Omutande, dans son fameux ouvrage Traité Genèse Kamit, tome 1er, nous rapporte cette longue citation avec des commentaires à propos de ce nom. Regardez bien à l'écran. Regardez bien à l'écran la page du livre dont il est question. Je lis pour vous. L'encyclopédie universaliste nous dit à propos de Yahvé de la théologie judéo-chrétienne que le Dieu d'Israël, Yahvé, était connu avant Moïse chez d'autres peuples. Les anciens phéniciens semblent avoir adoré un Dieu Yo. Dans la Bible hébraïque, on trouve les formes abrégées Yahou, Yo ou Ya, la plupart du temps en composition proposée ou postposée dans des noms théophores, Joachim, Abia ou dans des formules liturgiques, Alléluia, dans les papyrus juifs d'Éléphantine, on parle de Yahou. Yahvé n'est donc pas une révélation sémitique puisque ce nom était déjà connu des Cananéens, dits Phéniciens par les Grecs. Avant même l'existence des Hébreux, les Juifs installés à Éléphantine, en Égypte, semblent avoir utilisé le terme Yahou pour désigner Dieu. Or, c'est aussi un terme d'ascendance cananéenne, tout comme le terme El, dont Elohim est la forme au pluriel. El, Dieu, Elohim, les dieux. Tout cela n'est pas dit clairement dans la théologie judéo-chrétienne. Poursuivons néanmoins notre lecture de l'encyclopédie Universalisme. Les traditions bibliques associent Yahvé, le Dieu d'Israël, au mont Sinaï ou Horeb. C'est le cas de la poésie de Théonome 33, Juges 5 et Psaume 68. Et il est probable que cette montagne, dans l'Orient ancien, la montagne de mer du Dieu était la réduction du cosmos, la grande montagne, fut considérée comme le lieu classique d'une manifestation d'une divinité Yahvé, bien longtemps avant que les Israélites ne la connussent. Quand ils eurent adopté Yahvé, les Hébreux adorent en lui le Dieu unique. C'est ainsi
que des dieux tribal ou national, ils allaient faire les dieux cosmiques. À lui seul, dans la religion biblique, Yahvé était de soi l'expression même du monothéisme israélite. Dans l'Exode 3:14, il semblerait que Yahweh dérive de la racine hébraïque Aya, être, devenir. Or, la racine du mot n'est pas H-Y-H, mais H-W-H, qui en hébreu signifie désirer. Au sens donc que Yahweh viendrait des dialectes amoréens que parlaient les patriarches et dans lesquels H-W-H, comme en araméen, signifie être, devenir. Dès lors, Yahweh serait une forme verbale, causative, et voudrait dire il fait être. Les documents acadiens fournissent des parallèles intéressants. Des noms divins résultant de l'assemblage de cette forme causative et de substantifs comme objet. À l'origine, Yahweh n'était peut-être que le premier élément d'un titre divin composé dont la Bible a conservé quelques exemples. Yahweh Sabaoth, il fait être les armées, ou Yahweh Shalom, il fait être la paix. Fin de la citation. Et mes amis, l'essentiel à retenir dans ce rapport ici du livre de Kalala Oumoutande est que l'affaire de ce tétragramme qui a été révélé à Moïse sur le mont Sinaï est un mensonge sémitique. Parce que selon l'encyclopédie universaliste, le nom de Yahweh ou Yahvé est une variation de Yahweh, de Yahou, dont les racines consonantiques seraient H-Y-H ou H-W-H. Et ce qui est surprenant dans tout ça, dans les papyrus juifs et d'Éléphantine, qui est une ville égyptienne, les juifs utilisent sans ménagement le concept Yahou pour Yahvé, tel que les anciens cananéens. Or, les cananéens, mes amis, selon la littérature biblique, étaient des nègres. Donc, on peut conclure que ce prétendu nom ineffable est un appoint à la théologie des nègres anciens. En effet, il est quasiment important de vous rappeler, selon la cosmogonie des Sankoniatons, c'est-à-dire la cosmogonie cananéenne, les cananéens furent des nègres et ils avaient puisé les traditions en Égypte. Donc, dit que ce nom est issu du dialecte cananéen, c'est dit d'une manière ou d'une autre qu'il est originaire de l'Égypte. Et vous qui êtes intéressé des dits des Sankoniatons sur l'Égypte, on peut le consulter dans les écrits de Philon de Byblos et dans les écrits de Zeb de Césarée, considéré comme le premier historien de l'Église. Et parce que le livre des Sankoniatons a été porté disparu par les fanatiques pour conserver la Bible hébraïque. Parce que si ce livre est conservé, on se rendra compte bien vite que la Bible hébraïque est une pâle imitation de la Bible cananéenne. Et d'autres points essentiels à garder à l'esprit dans le rapport dont on vient de lire. La montagne Sinaï était déjà désignée comme un lieu saint, où cette même divinité, c'est la divinité qu'on appelle Yahvé ou Yahweh, où cette même divinité a été manifestée pendant des temps immémoriaux. Donc, l'histoire biblique faisant croire que Dieu s'était manifesté dans une buisson ardente, où il a dit qu'il a entendu la voix de son peuple et que Moïse lui demanda son nom et il répliqua à Moïse que son nom est Je suis. Et toute cette histoire n'est pas vraie selon les documents les plus anciens. C'est juste un récit fabriqué à partir d'autres récits plus anciens. Il est vrai, mes amis. Donc, il n'y a aucun Dieu qui s'était manifesté à aucun Moïse jusqu'au point où il révéla son nom à lui. C'est de n'importe quoi. Donc, nous allons voir le texte sur lequel on a plagié tout cela. Donc, ce qu'il faut retenir ici, encore dans les rapports dont on vient de faire le point plus haut, on voit de la définition du tétragramme, selon l'encyclopédie Bouliki, que le terme signifie être, devenir. Et selon l'encyclopédie universaliste, le mot veut dire également être, en hébreu et en araméen. Et selon Eliphas Lévi, le plus grand théoricien de la philosophie occulte occidentale, le terme a, H-I-H, qui serait prononcé, et il signifie être. Et selon Henri Corneille Agrippa, le père de la philosophie occulte, pour certains, c'est le premier nom de Dieu. C'est le nom de l'essence divine même. Et tout le judaïsme, tel que le signale l'encyclopédie universalisme, se repose sur les histoires qu'on raconte de ce nom. Et c'est pour cette raison, il est important de savoir
Quel est le peuple qui a donné ce nom d'être à Dieu pour la première fois dans l'histoire de la pensée humaine? Et on revient sur cela tout à l'heure. On verra le premier peuple qui avait donné le nom d'être à Dieu. On va voir cela tout à l'heure, plus devant. Et il est à juste titre important d'avoir une lumière sur les schèmes amphoras dont on vient de parler et dans l'introduction. Attribué à ce nom par la littérature rabbinique. Regardez bien à l'écran, on verra la signification du concept. Ceci se trouve dans une note de bas de page et dans le fameux pamphlet de Martin Luther titré « Des Juifs et de leurs mensonges ». Regardez bien, vous qui lisez l'hébreu, regardez bien la graphie. Voici ce qu'on lit dans cette note. « Hashem Amphorash ».« Hashem Amphorash ». Littéralement, le nom lu distinctement. « De Hashem », le nom de grand génie, et « M Amphorash », lire distinctement. Né 8, verset 8. Et le « Shem Amphorash » désigne le nom ineffable, c'est-à-dire le tétragramme YHWH que le grand génie révéla à Moïse comme étant son nom. Exode 3, 13, 15. Seul le grand prêtre peut le prononcer en risquant cependant d'en mourir s'il fait une erreur dans la de prononciation. Pour Yom Kippour, dans le Saint des Saints, Kippour, au temple, selon la tradition kabbalistique, le Shem Amphora se compose de 216 lettres. 3 par 72, issu des versets 19 à 21 d'Exode 14, formant 72 abréviations du nom de Dieu. Vous voyez bien la note à l'écran. On voit que le concept Shem Amphora, attribué au fameux tétragramme, signifie non lui distinctement. Shem Amphora signifie non lui distinctement. Martin Luther, père de la réforme protestante, constatait les fables, les non-sens des juifs, approfondit sa critique. Et de cela, dans un traité qui a pour titre « Dishem Amphora ». Et ce traité n'est pas populaire en français, mais il est disponible en anglais et en allemand. Et en anglais, un extrait de ce traité en anglais est traduit sous l'application PDF Traduction. Et cela et ne sera pas fiable totalement, mais la compréhension sortira quand même. Et Luther dit du tétragramme et du Shem Amphora. Voici ce qu'a dit Luther. Ce nom de Jéhovah, selon la grammaire, vient de Aya ou Ava, qui en latin devait dans le passé être. En allemand, essentiel ou être. Et l'Égypte était connue comme un nom verbal, comme Josaphat, Josias, Jérémie et bien d'autres. Et d'autres noms, et est autant que le latin, et NS, le grec. ON, nous devons parler l'allemand, c'est lui. Et c'est ainsi qu'en latin, tritragrammaton en grec, digrammaton, hexagrammaton en allemand. Ou si on prend simplement EST à tort, c'est donc aussi un tritragrammaton. Et qu'ils prétendent maintenant que le nom de Jéhovah devrait être indicible. Ils ne savent pas ce qu'ils bavardent. S'ils parlent des lettres, cela ne peut donc pas être vrai puisqu'il s'appelle Jéhovah. Pourquoi ne qualifie-t-il pas d'illisible? Et c'est une parole de Martin Luther, le père de la réforme protestante du Shem Amphora. Et selon Luther, cette affaire de nom ineffable est une fable. Et sur ce nom est indicible, il devrait être illisible. Et c'est ce qu'il dit, est vrai, certainement. Donc, dès qu'on le lise, même au niveau de la pensée, on le dit quand même, c'est vrai. Mais tous ceux qui savaient lire seraient déjà morts. Donc, c'est une fable, mes amis. Et c'est sur ces non-sens que le judaïsme, l'islam et le christianisme se basent pour tromper les gens ignorants. Mes amis, on est en effet au cœur du sujet. Tout le monde peut avoir une idée du tétragramme quasiment clair. C'est vrai, tout le monde. Et j'espère que tout le monde, à travers les définitions, fait une idée claire du tétragramme du Shem Amphora. Donc, à ce stade, posons cette question. Quel est le texte égyptien qui a été imité par les rabbins juifs pour produire les fables du tétragrammaton du Shem Amphora prétendu révélé à Moïse?
Entendez bien cette question. Quel est le texte égyptien qui a été imité par les rabbins juifs pour produire les fables du tétragrammaton, du schéma amphoras, prétendu révélé à Moïse sur le mont Sinaï? Et ce texte de l'Exode, mes amis, il est vrai, il est clair, n'est qu'un emprunt au fameux texte égyptien titré Le Conte d'Isis et des Rais. Et ce texte a été traduit par l'égyptologue Claire Lalouette. Et il se trouve dans le tome premier du Cosmogénèse Kamit de Kalala Omutande. Ce qu'on dit là est quasiment attesté par tous les égyptologues de bonne foi. Dans ce fameux texte, Aseta Maria, attendez bien, dans ce fameux texte, Aseta Maria, c'est-à-dire Isis, l'épouse divine du divin Osiris, ou Osiris, demanda à Dieu quel était son nom. Aseta Maria demanda à Dieu quel était son nom. Dieu lui répondit, je vais lire pour vous. Dieu lui répondit. Regardez bien le texte à l'écran. Je lirai pour vous. Je suis celui qui a fait le ciel et la terre, qui a lié les montagnes, qui a créé ce qui existe sur eux. Je suis celui qui a fait l'eau, de telle sorte que la vache mérite ou rette vint à l'existence. J'ai fait le taureau pour la vache, de telle sorte que la jouissance sexuelle vint aussi à l'existence. Je suis celui qui a fait l'empyrée et les mystères des deux horizons. J'ai placé là les bas des dieux. Je suis celui qui fait venir la lumière lorsqu'il ouvre les yeux et amène l'obscurité lorsqu'il les ferme. L'eau du Nil coule selon son ordre, celui dont les divinités ignorent le nom. Je suis celui qui a fait venir à l'existence les heures et les jours. Je suis celui qui a établi la répartition des fêtes de l'année et qui a créé le fleuve Nil. Je suis celui qui a fait le feu de la vie, afin de donner existence aux œuvres des temples. Je suis Képri au matin, Ré au zénith, Atum le soir. Attendez bien la dernière phrase. Je suis Képri au matin, Ré au zénith et Atum le soir. Mes amis, ce texte est écrit bien avant l'Ancien Testament. Dieu se révèle sous trois noms, Képri, Ré, Atum. Ici, Dieu donne son nom là. Dieu donne son nom à Aseta Maria. C'est la même histoire qu'on raconte pour fabriquer le mythe du tétragramme prétendu donné à Moïse dans l'Exode. Et c'est la même histoire qui prétend que Moïse a demandé à Dieu quel était son nom. Dieu lui a répondu, je suis celui qui suis, celui qui s'appelle Jésus. Et c'est le même. C'est le même récit et c'est la même histoire. Aseta Maria dit, ta Dieu, quel était son nom? Dieu lui répondit toutes ses paroles. Et enfin, il révéla son nom. Je suis Képri au matin, Ré au zénith et Atum le soir. En effet, un texte de sarcophage traduit par Kalala Omutande dit ceci dans son fameux Cosmogénèse Kami Tombremi. C'est sous mon nom de Képri que ma divinité se manifeste. Entendez bien. C'est sous mon nom de Képri que ma divinité se manifeste. Donc, Dieu dit qu'il est Képri au matin, Ra au zénith et Atum le soir. Et un seul Dieu qui se manifeste sous trois noms. Mais le texte traduit par Kalala Omutande clarifie totalement la chose. Donc, Dieu dit qu'il s'est fait connaître strictement sous le nom de Képri. C'est-à-dire, Képri est le principal nom de la divinité, le principal nom de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui signifie Képri? Qu'est-ce qui signifie Képri? Pour mieux comprendre si Dieu se révèle ne se révèle pas à nos ancêtres avant tout le reste du monde. Entendez ce texte. Entendez ce texte. Et on va voir que Dieu se révèle avant toute l'humanité aux nègres anciens de la civilisation égypto-nubienne. Donc, nous allons citer ici une approche de Kalala Omutande. Regardez la page du livre dont il est fait mention à l'écran. Je lirai pour vous. Le verbe képé ou encore képé qui s'écrit avec les scarabées signifie être, exister, devenir, se transformer, venir à l'existence. Par transformation et forme d'existence évolutive. Et c'est précisément ce verbe qui est à l'origine d'un des premiers noms de Dieu qui fut révélé à nos ancêtres, à savoir Képri. Littéralement, Képri, que nous lisons, Képri se traduit par celui qui est, celui qui existe, celui qui est venu à l'existence, suite à un processus d'auto-transformation de son propre être, d'où l'appellation l'existant.
Regardez bien, vous qui pouvez lire les hiéroglyphes, regardez bien la graphie, regardez bien les signes hiéroglyphiques et l'escarabée noir. L'auteur nous signale qu'il s'agit ici du premier nom que nos ancêtres égyptiens avaient donné à Dieu. Le nom Je suis, le nom des êtres, est le premier nom que nos ancêtres nègres avaient donné à Dieu. Ce nom est attesté dans les hiéroglyphes depuis la nuit des temps, alors que les Hébreux n'existaient pas encore en tant que peuple. Donc, l'escarabée noir est attesté comme signe sacré pendant des temps immémoriaux. Regardez bien à l'écran, on verra les trois noms Képri, Ra, Atum utilisés comme un seul nom. L'escarabée, les disques solaires, les béliers, regardez bien le symbole hiéroglyphique, on verra cela. Et si nous conservons les squelettes consonantiques du mot Képé, on aura trois lettres, trois consonnes, tel qu'on le voit dans la translittération. Regardez bien à l'écran. HPR. On sait tous que pour vocaliser les consonnes des Médounétiers, c'est-à-dire la langue ancienne de l'Égypte, on utilise dans l'égyptologie un nez conventionnel. On sait qu'il n'y a pas de voyelles dans la langue ancienne de l'Égypte. De même qu'il n'y avait non plus de voyelles dans la langue cananéenne ainsi que dans la langue des Hébreux anciens. Et ce sont les Massorètes, dans les escroqueries intellectuelles, avaient ajouté des voyelles pour ôter l'empreinte de la tradition nègre de la Bible hébraïque. En effet, HWH ou HYH, squelette consonantique hébraïque du nom divin, signifie être, devenir, a pour origine HPR égyptien qui signifie également être, devenir. Messieurs, il est clair, s'il y a plagiat, ce sont les Hébreux qui avaient plagié le fameux nom divin des anciens nègres de l'Égypte. Parce que les hiéroglyphes sont les premières écritures attestées dans l'histoire humaine. Et les textes égyptiens sont antérieurs aux textes hébraïques, on est clair dessus. Et il est important de citer cette parole de l'historien grec Diodore de Sicile avant d'avancer. Diodore de Sicile avait totalement raison d'écrire dans sa fameuse bibliothèque historique. Les Éthiopiens furent les premiers de tous les hommes. Les historiens affirment aussi que c'est chez les Éthiopiens que pour la première fois, on a enseigné à vouer un culte à Dieu. Il est clair, ce sont les Noirs, pour la première fois, qui avaient inventé la notion de l'adoration. Donc, la notion de la prière. Donc, pour prier, il faut connaître le nom de la divinité qu'on invoque. Et c'est dans cette optique que les théologiens nègres de la civilisation égyptonienne avaient trouvé le nom de Dieu. C'était la principale préoccupation. Il faut connaître le nom de la divinité qu'on invoque. Et cependant, les protestants et les catholiques se trouvent aujourd'hui dans une ignorance de l'invocation de Dieu. Ils ne savent quelle direction qu'il faut prendre lorsqu'on prie. Ils ne savent combien de fois qu'on doit prier. Et en priant, ils citent n'importe quoi. Ils ne savent pas que Dieu a un nom principal pour se faire connaître. C'est Képri. Mais on doit prier Dieu trois fois par jour. Au matin, il a un nom. Au midi, il a un nom. Au soir, il a un nom. Au matin, on doit tourner sa face en direction du soleil levant. Et là, on invoque Dieu en tant que Képri. Et c'est cela le fameux nom prétendu révélé à Moïse qui signifie être. À midi, on doit invoquer Dieu au centre. Quand le soleil se trouve au centre, on cite le nom de Ra. Au soir, on tourne sa face en direction du soleil couchant et on invoque Dieu en tant qu'Atum. Mais ce nom se réside dans un seul nom, qui est le nom de Dieu et le nom principal, qui est Képri, ce qui signifie être. Et dans le texte traduit par Kalala Omutande, dont on vient de faire mention, dit que Dieu se manifeste sous le nom de Képri. Tout ce qu'on demande en suivant les trajectoires principales du soleil, matin, midi, soir, on le recevra. Même dans le Nouveau Testament, Martin Luther, dans son livre du Schéma Foras, dit que Jésus s'identifie avec le tétragramme. Il dit que Jésus dit dans le Nouveau Testament qu'avant Abraham fut Jésus. Et tout ceci, il faut le dire, mes amis, est un appoint à la théologie nègre de l'Égypte ancienne. On dit par là que Jésus, fabriqué par les Juifs, est Képri pour montrer qu'on doit faire tout en son nom. Donc, en touchant ce point, il me paraît important de montrer comment
les anciens Hébreux avaient déjà parlé de Jésus, comme les anciens Égyptiens, bien avant la date que l'on fait naître. Parce que ce nom est issu de l'astrologie égyptienne, c'est-à-dire du zodiaque égyptien, mais également de ce nom ineffable, c'est-à-dire de l'idéologie qu'on fait du tétragramme divin. Ce nom de Jésus était déjà cité. Et il découle de la spéculation qu'on fait du tétragramme prétendu révélé à Moïse. Tel qu'on le vient de dire tout à l'heure. Donc, il y a une secte dissidente issue du judaïsme qui était appelée Nazaréen. Bien avant la date que l'on fait naître Jésus qui serait crucifié en la 33 de notre ère. Et cette secte utilise le tétragramme, un tétragramme qui aurait été une variation du tétragramme révélé à Moïse. Il est catégoriquement important de rappeler que Martin Luther, dans son traité du Schemam Foras, il dit que selon la variation linguistique, le tétragramme hébraïque, c'est-à-dire 4 lettres, en latin tétragrammaton, c'est-à-dire 3 lettres, en grec digrammaton, c'est-à-dire 2 lettres, hexagrammaton en allemand, c'est-à-dire 6 lettres, était déjà utilisé, est une variation. Cela veut dire que qu'il n'est pas strictement un tétragramme, c'est-à-dire, cela contient 4 lettres, mais cela peut varier, il peut contenir 3 lettres, il peut contenir, suivant la langue, 6 lettres, il peut contenir, suivant la langue, 2 lettres, etc. Luther soutient avec fermeté que si l'on prend simplement EST et Ator, c'est donc aussi un tétragrammaton, c'est-à-dire un nom avec 3 lettres. Donc, l'encyclopédie, dans l'encyclopédie universaliste dont on vient de faire mention, il dit que les lettres divines sont HWH ou HYH. Donc, certains noms, certains tritragrammaton, un mot composé de 3 lettres. Et on vient de montrer que HPR, le squelette consonantique du mot Keper, en égyptien ancien, est la base de l'idée du nom divin. Ce qui signifie être et devenir comme HWH hébraïque. Donc, le squelette consonantique du mot Keper est un tritragrammaton. Est un tritragrammaton. Un nom composé de 3 lettres. Et ce signe issu de l'Égypte se trouve même dans la mythologie grecque associée à un dieu qui s'était façonné sur le modèle d'Osiris qui s'appelait Adonis. On va voir cela tout à l'heure. Et ce tritragramme égyptien duquel découle le tritragramme hébraïque avait inspiré le nom de Jésus comme nom d'exorcisme pour chasser les démons depuis des temps immémoriaux, mes amis. Bien avant la date que l'on fait naître l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme fictif. Parce que les anciens spiritualistes savaient que selon la haute astrologie égyptienne, c'est le nom de la divine force de la nature. Le fameux Yusu ou Jésus, le nom de la balance zodiacale latinisée. Donc, ce tritragramme se trouve en Asie mineure avec des lettres variées suivant les squelettes consonantiques des langues. Parce qu'il y avait une relation interculturelle dans les antiquités. Les informations circulent, on ne sait pas quel moyen, avec vitesse. Et c'est ainsi qu'Osiris se servait de modèle dans les cultures du monde entier. Et c'est à partir d'Osiris qu'on a façonné les autres héros culturels. Et il semblerait que le tritragramme est une variation des NSR, des Nazaréens qui existaient bien avant les dates que l'on fait naître ce qu'on appelle Jésus. Et cette approche peut choquer les esprits. Et pour ce faire, lisons un extrait du livre titré « Le problème de Jésus » de Charles Lindbergh. Regardez bien à l'écran, on verra la page du livre dont il est question. Voici ce que nous lisons dans le livre de Lindbergh. Nous savons que les premiers chrétiens étaient désignés sous le nom de Nazaréens ou Nazoréens. C'est ainsi que les appellent le Talmud et les Orientaux font encore de même. Or, le terme se trouve dans l'Ancien Testament où il signifie celui qui veille, da watcher ou qui garde. Des Iter, par exemple, en 2 Rois 17, 9, 18, 8 ou Jérémie 31, 6. Et où le radical NSR peut paraître 63 fois dans ce même sens et jamais dans un autre. Et ce radical très ancien est souvent employé. On les rencontre sur les inscriptions d'Asie mineure sous la forme
Nassau. Il est sept fois dans le code d'Amourabi et il entre dans la composition de plusieurs noms propres. Et le forme talmudique à Nozri qui s'est à désigner le Nazaréen est tout simplement le singulier de Anozrim, les veilleurs, et elle sert à rapprocher de Anozer, d'Exode 34, 7, qui signifie le gardien. La forme syriaque, Nazaria, veut dire Dieu, est le protecteur, Yah, abrégeant Yahvé. Or, Épiphane atteste que les Nazaréens, dont le nom est si proche de Nazaria, forment une secte antérieure au Christ, et qui ne le connaît pas? Et Hippolyte nous cite un hymne dont le texte est à la vérité très corrompu, mais où Jésus est représenté comme un être divin, comme le Fils qui intercède auprès du Père pour les hommes et les conduit dans les voies sacrées de la connaissance. Et cet hymne est très vieux. Anak l'avoue et il Gelfed le rapproche de l'ancienne Yoz qui est sûrement pré-chrétienne. Il doit donc être pré-chrétien et il se rapporte à une secte des Nazaréens fort analogue aux Nazaréens. Nous inclinons à croire d'abord que ces gens-là n'ont évidemment aucun rapport avec la prétendue ville de Nazareth et ensuite qu'ils imaginent Dieu comme essentiellement Naza, protecteur, gardien. La preuve, c'est qu'on a trouvé sur un papyrus conservé à la Bibliothèque nationale numéro 574 supplément grec et contenant des formules d'exorcisme, les mots suivants, c'est-à-dire « Je t'adjure par le Nazaréen » et aussi ceci, soit « Je t'adjure par le Dieu des Hébreux, Jésus ». Il faut donc que les deux noms Jésus et Nazaria avaient été employés ensemble pour exorciser les démons. Et cela dès l'époque pré-chrétienne. Et la raison de cette attribution chronologique, c'est que l'expression « Jésus, le Dieu des Hébreux » semble désigner une sorte de logos hébraïque qui sonne le Vieux Testament et n'a point subi l'influence du Nouveau. Et que toute incantation appartient à des hommes purs qui sont en même temps des Juifs et qu'il faut sans doute identifier aux Esséniens, c'est que sûrement pré-chrétienne, c'est encore au témoignage d'Épiphane, les Nazaréens sont intérieurs au Christ évangélique. Cette citation est pleine de sens. Et le même auteur à la page 114 du même livre écrit ceci. Quand Jésus, en Apocalypse 1er, 8, proclame qu'il est l'alpha et l'oméga, il nous apprend simplement qu'il est Adonis, car les deux lettres AO expriment le nom de ses dieux selon l'appellation dorienne AO ou AOOS qui a fait nommer A. O.A. la terre de Sicile. Regardez bien à l'écran, on verra la page du livre dont il est question. Donc, mes amis, ce qu'on doit retenir dans tout est le fait que l'auteur n'hésite pas de dire que la forme syriaque du mot Nazaria veut dire que Dieu est le protecteur. Et Ya est l'abrégé de Yahvé. Donc, le Ya qui se trouve dans la composition du mot Nazaréen est l'abréviation de Yahvé. Du mot Nazaria, dis-je, est l'abréviation du mot de Yahvé. Donc c'est le fameux tétragramme en variation. Cette affaire de donner un sigle divin au nom de la divinité fut remplie les antiquités. Et c'est ainsi que Adonis, le dieu mythique grec qui se dit Alpha et Omega, a été connu sous des lettres. Son nom est un digrammaton, puisqu'il se compose de deux lettres AO ou AOOS. Et ce dernier AOOS se compose de quatre lettres. Donc, il s'agit d'un tétragrammaton. Ensuite, il est un trigrammaton, puisqu'il se compose de trois lettres AOA. Donc, ceci se compose de trois lettres. C'est un trigrammaton. Parfois, les mages ou les sorciers occidentaux utilisent le concept tétragrammaton pour le nom de Dieu lui-même. Or, le Dieu des Hébreux n'est pas le seul qui est connu sous un sigle de quatre lettres. Ça est clair. Tout ceci prouve que cette affaire de nom ineffable est une fable pour tromper les ignorants qui ne pratiquent pas les recherches scientifiques ou théologiques.
En effet, notre remarque qu'on fait sur le rapport de Ginberg est le fait d'admettre que le secte nazaréen existait bien avant le christianisme. Et le nom de Jésus fut déjà utilisé pour chasser les démons. Tout cela découle de la superstition, mes amis. C'est vrai. Les chrétiens prétendent faire tout au nom de Jésus, un Jésus historique. Or, aucun historien, aussi doc, aussi sophiste soit-il, ne peut prouver l'existence de Jésus scientifiquement historique. Entendez bien. Aucun historien, aussi doc ou sophiste soit-il, ne peut prouver historiquement que Jésus ait été existé. Donc, lorsqu'on dit Jésus le Nazaréen, il n'est nullement question de Jésus qui était né à Nazareth. Parce que tous les historiens savent que le moment où l'on fait naître Jésus, la ville de Nazareth n'existait pas encore. Il est clair pour tous les historiens, même pour l'archéologie. Donc, dit qu'on chasse les démons au nom de Jésus de Nazareth, ou au nom de Jésus, ou au nom de Jésus-Christ, on fait référence au premier nom qui a été révélé au nègre de l'Égypte. C'est un maquillage théologique pour ôter de la Bible l'empreinte de la formule des nègres. Donc, les malheureux chrétiens, mes frères noirs, qui se trouvent dans la superstition chrétienne, pensent que s'ils laissent le christianisme, ils ne seront pas à l'abri des exorcismes, des sorts ou des démons. Parce que pour eux, quand ils sont dans un piège satanique, ils citent le nom de Jésus et pour ces derniers, ils sont délivrés. Or, ce nom est un nom zodiacal. On peut consulter ma vidéo portant de l'origine égyptienne du nom de Jésus. Franchement, mes amis, on utilise cela pour la masse, pour la garde de la plus profonde ignorance. C'est le nom de Képri sous lequel Dieu se manifeste, qui est défiguré par le sacerdoce sémitique et occidental pour tromper la masse noire. On a nullement besoin du nom de Jésus pour être à l'abri du mal. On doit lever le matin en direction du soleil levant, on invoque Dieu sous le nom de Képri, ce qui signifie être, le fameux nom de Dieu. Demande à Dieu toutes les protections. Au midi, invoque-le sous le nom de Ra, qui signifie lumière, Atum, lorsque le soleil se couche. C'est la pratique des premiers théologiens attestés dans l'histoire humaine, les prêtres astronomes nègres de l'Égypte ancienne. On trouve des effets dans le nom de Jésus parce que Dieu voit votre ignorance. La question du nom de Dieu varie suivant les langues et les cultures. C'est une pratique des Nazaréens avant l'ère occidentale. La pratique de chasser les démons au nom de Jésus. C'est une pratique des Nazaréens avant l'ère occidentale, il est clair. En effet, entendez cette parole célèbre. Dès que peuple invoque Dieu sous l'appellation d'un autre, il est acculturé, il est colonisé ou il est aliéné. Dès qu'il pense que le nom donné à la divinité n'a aucun effet, il doit recourir à un nom étranger d'une ancestralité différente. Il est étranger à lui-même, son propre âme, mais plus à lui, il est sous le contrôle spirituel du peuple en question. Entendez bien cette parole célèbre. Dès que peuple invoque Dieu sous l'appellation des nôtres, il est acculturé, il est colonisé ou il est aliéné. Dès qu'il pense que le nom donné à la divinité par ses ancêtres n'a aucun effet, il doit recourir à un autre nom étranger d'une ancestralité différente. Il est étranger à lui-même, son propre âme n'est plus à lui. Il est sous le contrôle spirituel du peuple en question. Mes amis, c'est le plus grand problème du peuple noir. C'est le plus grand problème du peuple noir. Le peuple noir a un problème spirituel. Il faut dire que le nom de Jésus en est celui de la balance du zodiaque égyptien. Mais les astrologues et les théosophes de l'Égypte ancienne ne l'utilisaient pas pour exorciser les démons. Puisque la justice était la principale préoccupation de ces hommes, ils disent que la justice est Dieu même. Et c'est dans ce sens qu'il affirme que Youssou, qui est devenu Jésus, est le nom de la divine force de la nature. Mais les Nazaréens, hébreux, peuple nomade, qui ne maîtrisaient pas parfaitement bien l'astrologie et la théologie égyptienne, en faisaient avec cette appellation une superstition de la masse. C'est ainsi, les Juifs d'Alexandrie, influencés Esséniens ou par les Nazaréens, ils conservaient la secte des anciens Nazaréens qui utilisaient déjà le nom de la balance égyptienne dans une superstition
pour convertir le monde avec d'où la naissance du christianisme. Du christianisme, et c'est vrai. Et le christianisme qu'on devrait appeler de bon droit christianisme. Parce que le mystère de cette nouvelle secte a été implanté dans le monde par les coups des canons. Et c'est pourquoi, au lieu de dire christianisme, on peut dire christianisme. C'est la religion qui a commis plus de crimes dans l'histoire de la pensée humaine. Et les adeptes de ces religions-là sont les plus fanatiques de tous les hommes. Mes amis, il faut dire que tout cela découle de l'idée racisme que les juifs font des gentils qu'ils doivent entrer dans la secte. Tout cela est le fruit de la superstition et du fanatisme sémitique, il est vrai. Mais il est fait avéré que les juifs et les arabes prient suivant les trajectoires du soleil alors que les catholiques et les protestants, les plus profanes des hommes religieux de la terre, prétendent prier n'importe comment. De ce fait, moi je dis cela, de ce fait, les livres occultes, les dragons noirs, titrés ainsi nommés, et tant d'autres livres, décantations, sont des vils fables pour nous tromper. On mélange, on cite certaines formules hébraïques, certaines formules grecques et certaines formules latines, mélangées avec quelques termes égyptiens, latinisés pour nous duper. Tout cela parce qu'on ignore ce qu'on est vraiment. Les noirs oublient que leurs ancêtres avaient inventé toutes ces notions qui font le joyau des sémites et des édo-européens. C'est là le problème du nègre. La base de la cabale, entendez bien mes amis, mes frères, les francs-maçons, mes frères qui se trouvent, mes frères noirs qui se trouvent dans les sociétés secrètes. Entendez bien, la base de la cabale, la base de la philosophie occulte, la base de la magie, la base de la théologie, la base de la haute théologie est nègre, que l'on veuille ou non, à profondément la tradition nègre de la civilisation égypto-nubienne. Les noirs sans espoir qui se trouvent dans les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie en général, assoiffés qui cherchent la connaissance de la haute théosophie, ignorent que la philosophie occulte occidentale a profondément la tradition africaine élaborée lors de la civilisation égypto-nubienne. Je dois dire à ses frères qu'ils sont aussi trompés comme les noirs qui se trouvent dans le christianisme. Et c'est la même supercherie. La base de la haute théologie est le tétragramme et ceci est un plagiat. Or, les anciens hébreux inventaient des fables pour montrer que ce nom était révélé à eux, raconter 10 000 autres merveilles à propos de Moïse, de Mont Sinaï, de Buisson Adam pour usurper les fuites de la théologie nègre de l'Égypte ancienne. Mes amis, ce fameux nom prétendu une fable est le fruit de la réflexion théologique des anciens prêtres nègres de l'Égypte. Franchement, c'est parce que les soi-disant élites noires ignorent les identités. C'est parce qu'ils sont aliénés qu'ils se trouvent dans les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie. Mes amis, il est évident, si on évoque Képri aujourd'hui devant la masse noire et on évoque Jéhovah, on dit que Képri est le diable et Jéhovah est le vrai Dieu. Pendant que Képri et Jéhovah, c'est le même mot à la base, tous les deux signifient être, devenir. On n'est pas sémite, on ne doit pas utiliser ce concept divin, cela reste au sémite. On est kamite, on doit citer, on doit invoquer Dieu en tant que Képri. Et dès qu'on utilise un autre nom, on dit qu'on est colonisé, qu'on est aliéné. Parce qu'on n'évoque pas le nom que vos ancêtres avaient attribué à la divinité. C'est le problème de l'aliénation culturelle. Et cette affaire de tétragramme est la plus grande escroquerie théologique connue dans l'histoire de la pensée humaine. Les sémites, peuple nomade, sans culture, avaient volé lors des invasions Hyksos les traditions religieuses de nos peuples. Et ensuite, on fait croire au monde avec rigidité qu'ils sont à l'origine du monothéisme et du vrai nom de Dieu. Quelle escroquerie, mes amis. Quelle escroquerie intellectuelle. Quelle supercherie. Quelle escroquerie théologique. Et citons cette parole de Pascal Bancou, dite dans son fameux livre, le livre des morts égyptiens, pour conclure ce travail. Voici ce qu'il a dit. Édouard Chouré, dans son ouvrage, Les grands initiés, mis en relief le courant qui partit de l'Égypte, imprégna la Grèce via l'orphisme et le pythagorisme, et laissa son empreinte dans le christianisme. L'influence égyptienne s'est répandue et survécue également par le biais d'autres véhicules. Une partie de ces enseignements ésotériques, qui ne représentent pas l'intégralité de la tradition égyptienne, s'est perpétuée sous le nom de ménétisme en référence à MS, le top égyptien.
Et cet enseignement a également imprégné l'ésotérisme islamique et chrétien. Il fut véhiculé par la gnose et par l'alchimie, et sa symbole se reflète de la légende du Graal, de la franc-maçonnerie et de la rose croix des origines. Et certainement, mes amis, l'ésotérisme occidental sémitique a pour racine les traditions des nègres égyptoniens. Le jour où les noirs remédient à leurs traditions ancestrales, ils n'auront plus besoin de la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes, parce qu'ils verront qu'ils étaient dans la copie alors qu'ils sont les originaux. C'est comme le christianisme, les occultistes occidentaux et sémitiques avaient volé la clé de l'ésotérisme nègre, qui est le nom divin. Après, ils viennent nous prendre qu'ils sont le plus grand maître de la science sacrée. Et par cet artifice, ils arrivent à contrôler les élites du peuple noir. Quel artifice, quel escroquerie, quel tromperie. Franchement, mes frères noirs, qui se trouvent dans l'ésotérisme et les mystères des sociétés secrètes occidentales, sont dans le même état d'aliénation que les noirs qui sont dans le christianisme. Ce sont les mêmes aliénés, les mêmes ignorants. Et tous les deux sont colonisés par leur propre tradition ancestrale sous une forme maquillée. Quelle escroquerie. En effet, je leur conseille de vider les sociétés secrètes comme je le conseille aux chrétiens nègres de vider les églises. La solution est de créer une religion raciale qui rassemble tous les noirs du monde en une grande famille de frères pour les préserver de toute aliénation culturelle. Si ce n'est pas le cas, l'arabe viendra comme et quand il veut pour convertir le noir à l'islam. Et le juif viendra comme et quand il veut pour convertir le noir au judaïsme. Et le chrétien viendra comme et quand il veut pour convertir le noir au christianisme. Nous sommes livrés à nous-mêmes, à toutes sortes de doctrines d'abri. Nous ne sommes pas à l'abri d'aliénation culturelle. Nous ne sommes rien, mes amis. En effet, Oud Pascal Bankou, fermons la discussion définitivement avec cette citation de Cheikh Anta Diop. Diop déclare, cette citation est pleine de sens. Il a dit, il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger, mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Et c'est là le médicament qui peut guérir l'aliénation culturelle africaine. Sans cela, les révolutions politiques, les prises de pouvoir par les révolutionnaires aliénés, révolutionnaires de foi islamique et de foi chrétienne sans vision, ne serviront à rien. C'est le fort dans le mal. Sans cela, nos efforts et presque vaines, puisque nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, nous ne sommes personne. On est obligé d'être islamisé pour être arabe. On est obligé d'être christianisé pour être européen ou juif, franc-maçon, parce qu'on n'a pas d'institution religieuse originalement nègre pour nous façonner. Nous sommes tous, sauf nous-mêmes. Ce mal moral doit prendre fin, mes frères noirs. Revenons donc à nous-mêmes. Et c'est ainsi que les anciens panafricains, des fois islamiques, des fois maçonniques, dans le courant, dans l'historiographie ou dans l'évolution de l'histoire du panafricanisme, s'étaient trompés parce qu'ils avaient une foi étrangère, parce qu'ils étaient eux-mêmes colonisés, aliénés. Et c'est pour cette raison, avec Cheikh Anta Diop après Diop, les révolutionnaires africains doivent être à leur véritable identité pour faire une révolution durable. Sans cela, les révolutionnaires, des fois maçonniques, des fois islamiques, tout cela, c'est l'effort dans le mal. Merci.